Hey, salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur World in Conflict. Alors, dans la même nuit, à Cascade Falls, Washington, USA. À mon avis que ça va chauffer entre les deux protagonistes russes. À moins qu'on ait déjà du côté anglais. Ça m'a l'air d'être du côté anglais. Hola? Isabelita? Carinia? Papa? Où es-tu? Je suis à la pêche, dans les montagnes, mon cœur. C'est magnifique ici. Il y a de la neige partout. Il fait si froid que tu peux voir ton souffle. Moi aussi, je veux voir la neige. Bientôt, mon cœur. Bientôt. Qui est-ce, Isabelle? C'est papa. Papa? Je peux lui parler, chérie? Maman veut te parler. Ok. Je t'aime, chérie. À très bientôt, d'accord? Papa, je t'aime. Anton? Ouais. Chérie, tu es... Je vais bien, je vais faire en sorte que ça dure. Alors reste bien chez mamie, je viendrai vous chercher quand ce sera fini. Quand est-ce que ce sera fini, Anton? Je ne sais pas. Écoute, je dois y aller, mais... Je vous rappelle dès que je peux, d'accord? Je t'aime, Miss Yellow. On a retrouvé Wilkins dans la petite ville de Cascade Falls, pas loin de Fort Teller. La ville avait été évacuée peu de temps avant. Il avait été décidé que nous la défendrions en nombre pendant que Wilkins irait se retrancher dans un petit col de montagne étroit plus au sud. Le colonel Sawyer voulait attirer les Russes au centre de la ville où nous pourrions concentrer nos défenses. Mais les Russes étaient très nombreux, et il ne restait pas beaucoup des nôtres. Cette fois, nous ne pouvions pas battre en retraite. Si nous partions, Fort Teller tomberait, et l'apocalypse ne tarderait pas à suivre. Nous étions bien déterminés à tenir jusqu'au bout. Et même Bannon semblait avoir recouvré ses esprits. Il paraissait plus calme que par le passé, et je me souviens m'être demandé ce qu'il avait en tête. Nous ne reculons plus. Il faut empêcher Ivan d'atteindre Fort Teller. Et qu'avons-nous, question soutien? L'Air Force a promis autant de missions d'appui au sol que possible, mais ne comptez pas sur elle pour remporter le combat. Je ne vais pas vous mentir, messieurs, les Russes vont mettre le paquet contre nous. Nous devons tenir quoi qu'il arrive. Nous le ferons. Nous venons de loin, messieurs. J'ai confiance en vous et je sais que vous ferez ce qu'il faut quand le temps viendra. Colonel Sawyer! Les Russes ont atteint le périmètre extérieur. Ça a commencé. Rejoignez vos unités. Nous allons montrer à Ivan ce qu'il en coûte d'envahir notre patrie. Ok, les gars, ça va pas être facile. Non, nous je devons crois tenir pas. Les ponts jusqu'à ce qu'Ivan se regroupe au centre. Et là, on les fait sauter et on recule. Webb, vous avez le pont est. Bannon, vous avez le pont ouest. Parker, vous êtes avec Webb. C'est tout, messieurs. Bien reçu, Eagle 6. Et? Bien compris. Alors, école de combat, affichez les PV. Halt, ouais. D'accord, bon, why not? Ah ouais, d'accord. Parker, nous n'avons que quelques minutes avant l'arrivée des Russes. Ouais. Renforcer la défense autour du pont immédiatement. Ouais, moi aussi je trouve que c'est une bonne idée. Avec 1006, bah hop, anti-char, anti-char, hop. Je dois aller où moi? Je suis avec Web, c'est ça qu'on m'a dit? Oh là 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 là. Je dois quasi tout. Ouah, je dois tout passer, c'est une blague. Je veux bien que c'est une belle petite ville, mais quand même. L'heure elle est pas vraiment à la promenade, les gars. Là, j'ai même pas de parachutiste, pardon. Unité anti-char, j'écoute. Infanterie parée. Voilà, alors. Infanterie, infanterie lourde, je suis. On embarque. Embarquement dans le transport. Tout le monde est là. À bord. Unité anti-char, parée. Ok, bon allez, rapport, soit. Je suis en route. C'est parti. Je ne pensais pas que je pourrais être de ce combat. Je me suis cassé le genou au Nicaragua et on m'a nommé instructeur à Fort Benning. Quels sont les ordres? C'est je suis bien. Content d'être là où les choses se passent. Cool. Ordres, okay. Bah, t'inquiète que là t'es bien dedans. Et t'es bien dans la merde. Tu viens de mettre un doigt et plus qu'un doigt. Oh. Ok. Infanterie lourde, à vos ordres. Il reste pas longtemps, Parker. Vos hommes sont retranchés.
Non, pas du tout. On ne peut pas exécuter cet ordre. Punaise, je crois que j'ai fait une grosse boulette là. Oh là là, 20 secondes, j'arriverai même pas. J'arriverai même pas jusque là, c'est un carnage. Oh là là. Unité, mais on y va. Allez hop. Pour votre protection, chef. Ouais, ouais, ouais. Pour la mienne et pour la tienne on aussi. S'approche de ce périmètre, chef. Aïe, 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 6 secondes. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je vais la recommencer. On va tenter, mais... C'est pas genre, je suis content d'aller promener dans la ville, quoi. Alors, école de combat, carte stratégique. Ouais, il s'agit d'un aperçu qui peut grandement vous aider. Ouais, blabla, blabla. Bla. Mon colonel, j'ai une concentration d'unités russes en approche. Il me faut du soutien. Et où? Ok, bon. Eh bien, on va faire ça. Ici Webb, j'ai des blindés ennemis sur ma position. Roule ma poule. Bien compris, Webb. Il est essentiel qu'on tienne pendant qu'ils se regroupent. On va faire ça. Je vais le retenir. Et on va faire ça. Concentrez-vous sur le pont. Ouais, merci. Ici Webb, j'ai des transports de troupes russes qui approchent. Je crois qu'ils vont se déployer dans la forêt derrière le pont. Vous pouvez faire quelque chose? Nous tenons le pont Est. Retranchez-vous. Bien compris, Webb. Je vous couvre. Wow, wow, wow. Les gars, ils vont arriver, mais ça va être un peu tard, quoi. Allez, les gars. Unité anti-char, j'écoute. Qu'est-ce que vous voulez? Manœuvre d'esquive, entre en avant. Unité anti-char, paré. En avant. Le moteur tourne, prêt à partir. On va s'emparer de ce périmètre. Que voulez-vous? Blindé, prêt au combat. On met la gomme, chef. On est prêt à l'action, chef. On est en route, chef. Votre protection, chef. On y va tout de suite, chef. Nous avons un... Allez, foncez. Allez. Sur le périmètre. Finalement, on a quand même réussi à faire quelque chose. Pff, c'était tout juste, hein. On va se... On va pas se le cacher. Zulu Liner, ouais. Alors, ici. Eagle 6, le pont est entre nos mains. Excellent. Tenez jusqu'à nouvel ordre. Eagle 6 terminé. Ben, pas de problème, vas-y. Moi je serais bien content. Donnez-nous un ordre, manœuvre d'esquive. Que voulez-vous? Plus vite que ça! Camion, j'écoute, on trace vers le Webb, pont. Webb, Bannon, au rapport. Entrez dans le transport. Nous tenons le pont Est et les assauts russes s'intensifient. Si ça continue comme ça, nous allons devoir nous replier. Compris, capitaine. Mais vous ne devez pas reculer tant qu'ils n'ont pas envoyé le gros de leurs troupes vers le centre-ville. Vas-y, vas-y. Ici, Bannon, nous tenons toujours le pont Ouest. Les rouges nous attaquent sans relâche, mais nous tenons. Bah c'est bien alors, bonne arrête nouvelle, de te plaindre. Tenez jusqu'à ce qu'ils reculent et se regroupent. Nous le ferons, mon colonel. Bannon, terminé. Ils sont parés avec les armes lourdes. Attends, lourde, je suis prêt à attaquer maintenant. Quoi au but sur ce véhicule? Qu'est-ce que vous voulez? On se dirige vers le fond, allez. Voilà. Et là, il y a une petite fête à laquelle j'ai pas été invité. Unité anti-char, parée. Elle fait du mal, hein, cette anti-char. Allez, il faudrait que je puisse bombarder cette zone ici avant que ça bouge. Allez, les gars. Please. Bon, tant pis. Ils ont pas décidé de le faire, c'est très bien. Parker, les Russes concentrent leurs attaques sur le pont Ouest. Allez-y tout de suite. Mais gardez quelques unités en réserve sur place. Nous devons tenir les deux ponts encore un peu plus longtemps. Ok, super, merci les gars. Parker peut rester où il est. Négatif, Bannon. Parker vient vous soutenir. Eagle 6 terminé. On se place en position. Incroyable, quoi. Il faut tout faire. Après qu'on ose me dire la puissance américaine. Oh là là. Je suis pas sûr que je vais passer, hein. Waouh. Faut que je tienne. Voilà, on va laisser comme ça le plus loin possible. Voilà. Infanterie parée. Allez, go go go. Ah. Anti-char. Ça, c'est changer la ZD.
Je suis où, moi? On va le mettre là. Donc, moi, je sais plus quoi. Ah ouais, bah c'est bien, nickel. Voilà, il y a mes unités là. Si elles pouvaient activer un peu, ce serait bien. Si je sprint. Est-ce qu'ils vont avancer plus vite? Lol, hey, c'est plus des sprints, ça, c'est... Mais ils vont plus vite que des jeeps. C'est abusé. En progression vers le périmètre. Ok, bon. Ils sont plutôt mal barrés ici. Il va falloir tenir. Là, ça va être la même, je crois. Ouais. Camion, j'écoute. Quoi encore? On est à l'écoute. Normalement, il n'y a pas moyen de... Non. J'allais dire de sortir les unités dedans, mais non, a priori, ils ont pas envie. C'est chaud, les mecs. Hein. J'ai des ennemis à découvert non loin des serres. Un soutien d'artillerie serait le bienvenu. Terminé. Ah, bah moi aussi. Bien compris, Bannon. Barrage en route. Restez à couvert. J'attends les ordres. Verrouiller l'ennemi et balancer une roquette. Détruit. Infanterie au combat. Si on manque notre coup, on est cuit. Croisez tous les doigts. Ennemi vaincu. Alors. 5 secondes. Ennemi déplace la T4 à une meilleure ripostée. Ripostée. Cible ennemi détruit. Courez sur le périmètre. Restez à couvert et avancez. Oh, bam. Tu m'étonnes. Pile poil. Comme il fallait. Ah, ça va être chaud, ça. Waouh. Courez sur le périmètre. À vos ordres, mais on va prendre l'IVA. Je suis pas sûr d'y arriver, même. Eagle 6, plusieurs sections russes se replient et se regroupent. Compris, Bannon. Ils mordent à l'hameçon. Nous devons tenir encore un peu. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Ils attaquent vers le centre-ville. Nous pouvons le faire, mon colonel. Vous devez le faire, Bannon. Eagle 6, terminé. Je suis pas sûr que je vais y arriver. Waouh, mon temps, je l'ai perdu. L'autre côté, c'est bon, ça tient. Ça tient plus. Waouh. Si, a priori. Que fait-on du camion? Véhicule hostile détruit. Waouh. Ouais. On va changer ici. On va le commander. C'est chaud, hein. Eagle 6, hop. Le pont ouest est sécurisé. Bien, tenez le coup. Je crois qu'Ivan est en train de tomber dans le piège. Je suis en route. Je suis en route. Ah ouais, mais ça c'est pas cool ici. Ah si. Unité anti-char, j'écoute. J'attends les ordres. Oui, en route pour le périmètre. Prêt à combattre. Il nous tire dessus. On est à l'écran. On essuie des tirs. Équipe anti-char, que voulez-vous? Tirs ennemis. Voilà, attaquez, vas-y. Les hostiles ennemis. Rejoignez. En avant. Camion contre roule. C'est un peu tendu par ici. J'attends les ordres. J'avoue, ultra tendu même. Vas-y, fais-toi plaisir. Hostile neutralisé. On va y arriver. Ici Eagle 6. Ivan se regroupe au centre. Faites sauter les ponts et retirez-vous. On se regroupe au pont nord. Ok. C'est où ici le pont nord? Web. On est en route pour le point de ralliement. Sécurisé. On recule. Parker. Ouais. Webb et Bannon vont combattre Ivan en ville pendant que vous capturez le pont nord. Ce pont est notre seule issue possible. Ivan est tombé droit dans le piège. Maintenant, il faut bien les garder concentrés au centre. Ok. Infanterie en mouvement. Là, on va se barrer. Attention aux hélicos russes, Parker. Ils vont vous harceler si vous ne les éliminez pas rapidement. Bah, j'ai pas de quoi les éliminer. Parker, vous êtes prioritaire pour le soutien AA. N'hésitez pas à demander en cas de besoin. Eagle 6 terminé. Ok, merci. Il est où le soutien AA? Ouais, il faut que j'arrive à trouver les ici, Eagle 6. On fait sauter les ponts.
Bon. Assurez-vous qu'aucune de vos unités n'est de l'autre côté, ou elles seront isolées. Ça, ce serait con, ouais. Allez, hop, ouais, on a encore des transports blindés, hop. Hop, on va... Ça, c'est notre objectif, c'est ça? Ouais. Bon, ok, boum. Ça, c'est con pour vous, les mecs. Sérieux. Ils auraient pu attendre, quand même. Où voulez-vous ces roquettes? Non, là, ils ont chié dans un col, quand même. Voilà. Nous sommes en combat. Nous sommes en combat. Ici, Zone Niner, coordonnées verrouillées. Les obus. Nous sommes parés avec les armes lourdes. Négatif. Impossible. Négatif. Entrez dans le... On capture le bâtiment. Impossible, chef. Restez. Oui. La zone a été détruite. Alors, il va falloir prendre des gars. Tiens. Ennemi abattu, nous tire dessus. Hop. Bon, bah, je sais tirez pas pourquoi. Missiles. On va laisser comme ça. C'est chaud, hein. Unité anti-char, paré. Infanterie lourde, je suis infanterie attaquée. Boum. Ah ouais, ça c'est la cavalerie qui arrive. À vos ordres. Ça fait équipe anti-char. Oui, oui. Je vais aller chercher le point là. Éliminé. Unité anti-char, paré. On va en poste. À vos ordres. Alors. Transport de troupes pris, chef. Là-bas. On y va. Est-ce que je vais changer la ZD parce que j'ai l'impression que c'est pas là. Bien, Parker. C'est pas au bon endroit que ça. Et mettez quelques mitrailleuses en place. Bah ouais, pas de problème, je demande nous que ça moi. Hop, ça c'est bon. Ah. Justement, nous avions besoin. Ça va lui faire tout bizarre, comme on dit. Alors. La région est sécurisée. Terminé. Nous sommes parés avec les armes lourdes. On va prendre la moitié, on va la mettre là-bas. Ok. C'est une question de temps, c'est tout. Hein. Ah, là il y a du monde. Ok. Wow. Nous sommes en combat. Cible ennemie détruite. Ça c'est pas cool par contre. C'est vraiment pas cool. Voilà, oh là là, il y a du monde. Cible ennemie détruite. Ici Joker, les hostiles de la zone ont été éliminés. Ok, nickel, plus de Hind. Excellent Parker, le pont est sécurisé. Ok. Ça c'est fait. Ici Web, les Russes recommencent à attaquer. Bien compris Web. C'est pas grave. Les Bannons vont rester en place pendant que Parker capture le pont. Bah, si c'est on pouvait ça. Retenir cette fois, on pourrait bien l'emporter aujourd'hui. Ennemi vaincu. Ennemi détruit. Hop. Non, je peux rien faire. On va laisser faire. Cible ennemie détruite. C'est quoi ça? D'accord. Parker. Ah, un attention. Un véhicule amphibie russe essaie de franchir la rivière discrètement sur la rive est. Éliminez-le. S'il réussit à passer, il pourra envoyer des informations sur nos défenses à Fort Teller. Et alors, je suis censé faire quoi, moi? Eagle 6, quelle est la situation à l'ouest? J'attends les ordres. Wilkins dit que les Russes utilisent la passe dans la montagne pour attaquer. Mais il les repousse jusqu'à maintenant. Ivan concentre ses forces ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tant mieux pour nous, mon colonel. Nous devons en éliminer le plus possible. Je crois que ça doit être ça. Mais ne vous relâchez pas. Le gros des forces d'Ivan n'est pas encore arrivé. Ennemi détruit. Cible ennemi détruite. Le barrage d'artillerie arrêté. Cible ennemi détruite. Ennemi vaincu. Ennemi vaincu. Cible ennemi détruite. Ouais. D'accord, ils arrivent par là. Ennemi détruit. Besoin d'un transport rapide, chef. Ennemi vaincu. On y va. Ok, nickel. On va faire ça. Unité mécanisée à l'écoute. Je vais sortir les gens si je peux. Eagle 6, ici Webb. C'est sans doute le gros des forces qui se dirige vers nous, mon colonel. Ici Bannon. Ils préparent leur attaque. Compris. Tenez-moi au courant quand le gros des forces attaquera. À vos ordres, mon colonel. Webb, terminé.
Pour votre prêt à partir. Ennemi vaincu. Les ennemis. On rapporte. Équipe anti-char, on est. Voilà. Cible. Ces unités n'y ont pas besoin. Je vous donne accès à du soutien supplémentaire. Merci. Bon travail, Parker. Eagle 6, ici Web. On se casse. Nous subissons une attaque de la principale force d'attaque soviétique. Ouais. On les retiendra pas longtemps. Moi non plus. Ici Bannon, il a raison. Ils sont trop nombreux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait envoyer comme sauce? Réorganisez-vous autour, Parker. J'ai une petite surprise pour Ivan. Ah. Moi aussi, ça tombe bien. Unité anti-char, Paris, je suis en route. Voilà, boum. Ça va, ça pleut. Bon, si on peut envoyer... Oh, y a du monde là-bas, hein, par contre. Et voilà. Ne demandez pas encore de frappe d'artillerie. Attendez que je vous en donne l'ordre. Ok. Je suis en route. Cible ennemie détruite. Et les Hind, ils sont où? Ou les Hind, comme vous voulez. Cible ennemie détruite. Fichez six-pack, on va larguer nos bombes. Mettez-vous à couvert. Alright. Eh ben voilà, plus de feu. Opération plus de feu. Ouais! Prenez ça, bande de sales rouges! Ouais, attends, c'est pas fini, t'emballes pas. Restez tous à couvert! C'est notre tour. Tout le monde contre-attaque au sud. On reprend le centre-ville avant qu'Ivan ne trouve le temps de s'en grouper. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ok. Bon. Oh, c'est quoi tous ces trucs? Oh, j'aime bien! J'aime beaucoup. Hop. Voilà, on va avancer. Comment ça c'est? Bah je sais. Loufoque, mais non. Rien n'est loufoque dans la guerre. Allez les filles, on avance. Tac. Il manque pas des gars des fois. Je regarde. Non. Hop, allez go. Quels sont les ordres? Contre-attaque. Quels sont les ordres? Par où ils vont se mettre? Hop. Ah, je pensais détruire les Hind, mais ça va, ils vont le faire tout seul en fait. Unité anti-char, infanterie en mouvement. Ah, il y a 3 points à garder, d'accord. C'est impossible. Mais si c'est possible. Alors. Voilà, vas-y. Hop, un bisou. Nous sommes parés avec les armes lourdes. Ok, bon. Si on manque d'autre coup, on est de couverture. Alors, oh là là. On ne peut pas, quels sont les ordres? On va commencer à nettoyer un petit peu. Ici Iceman, hostile de la zone mort. Livraison de napalm pour bientôt, restez pas dans la zone. Vous n'aurez pas une deuxième chance. Impossible, chef. Il approche. Mettez en place ce lance-missile et feu à volonté. Attaquez les hostiles. Ennemis abattus. Alors. Où voulez-vous tirer en tout? On va commencer à... à prendre les lieux. Nous sommes sans combat. Le moteur tourne, on y va. Unité anti-char, parée. Ça va être chaud, hein. Cible ennemie détruite. Bombe guidée laser, bombardement aérien. On a repris les positions de l'avant. Bah bien sûr. Retranchez-vous, Parker. Bien reçu. Iceman en approche avec chargement de bombes à fragmentation. On a eu cette cible. Hop. Ennemi vaincu. Nous sommes en combat. On va bombarder les trois. Normalement, ça devrait aller. Équipe anti-char, on que voulez-vous des tirs? Oui, nous les repoussons. Nous pouvons y arriver. Ne vous déconcentrez pas, capitaine. Je ne pense pas que nous les ayons tous vus. C'est chaud, hein. On envoie là d'autres, mon colonel. J'ai perdu le compte des véhicules que nous avons détruits. Ouais, tu m'étonnes. D'autres vont venir. Bien, nous les tuerons tous s'il le faut. Tenez bon, ils se replieront. Ils n'auront pas le choix. Eagle 6 terminé. J'aimerais bien. Bombe des E-cutters, excellent contre l'infamie.
L'infanterie, d'accord. Nos éclaireurs signalent qu'Ivan a mobilisé au moins 3 nouveaux bataillons blindés dans notre secteur. Ça va. Nous ne tiendrons jamais contre autant d'ennemis. Mais si. Mais nous ne pouvons pas nous replier. Nous perdrions tout. Vous avez raison, capitaine. J'ai reçu l'autorisation de demander un raid nucléaire tactique contre les formations soviétiques. Une frappe nucléaire? Oui, Webb. Ça devrait les briser une fois pour toutes. Ça, c'est notre dernière chance. Ça rigole pas aussi, on punaise. On se regroupe dans l'école. On demande la frappe et on fiche le camp loin de la zone d'impact. Ah, vaut mieux, ouais. Ok, tout le monde à l'école. Si nous battons tous en retraite en même temps, ils vont comprendre qu'il se passe quelque chose. Il faut que quelqu'un reste pour leur donner le change. Il a raison. Mais c'est une mission suicide. Quiconque reste derrière n'a pas le moindre chance de filer à temps. Je suis en route. C'est un peu tendu. Je vais parler aux hommes. On s'en charge. Vraiment, Bannon? Je ne peux pas vous donner l'ordre de le faire. On ne peut pas exécuter. Je comprends. Nous le ferons. Ok. Bien compris, capitaine. Parker, Webb, continuez vers l'école. C'est chaud, hein. Waouh. Ouais, 20 secondes. Unité éliminée. Équipe anti-char, que voulez-vous? Char ennemi endommagé. Poussez plus. On va sprinter, on va sprinter parce que là... Continuez d'avancer. Carrément, ouais. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Unité ennemie neutralisée dans la zone. Iceman terminé. On a arrosé la zone. Unité perdue. Ici, Bradley, chef. Ouais. Bah faut se casser, hein. Il va plus nous rester grand chose comme unité, bon, malheureusement. Allez. Nous sommes attaqués. Ouais, bougez-vous, ouais. Carrément. Il me faudrait un truc d'assez grande zone. Genre que ça, c'est bien. J'avoue. Lui il va crever. Unité voilà. Perdue. Il aurait fallu détruire le pont. Boum. Sympa. Ok tout le monde. Sympa. Bannon, vous envoyez les coordonnées et Parker les renverra au centre de commandement des missiles. Bon, normalement, si je prends. Voilà. Je vous envoie les coordonnées, Parker. Ne merdez pas. Voilà, on va faire ça. On va voir les chars ici. Coordonnées de quoi? Oh. Waouh. Demande de frappe nucléaire, ouais. Fermé. Ici? Là? D'accord. À mon avis... Le QG signale que le missile a été tiré. Dieu nous pardonne. Tu m'étonnes. Priez pour vous, pour nos soldats, bah. Carrément même. Ça va pas être beau à voir. J'ai peur, mon capitaine. Ouais. Moi aussi, Thomas. Mais nous faisons ce qui doit être fait. On se souviendra de nous pour ça. Carrément, ouais. Canonnier. Feu. Char ennemi à 11h. Identifiez. Sans vous charger. Feu. C'est parti. Canonnier. Feu à volonté. Commence à attaquer. Ils viennent avec des T-80, des BTR et des BMP. Il y a aussi de l'infanterie qui se déplace de maison en maison. C'est la grande offensive. J'ai perdu la deuxième section et presque toute la troisième. On tient le coup, mais il faut une percée. Je vais essayer de les attirer vers moi. On ne va pas tenir très longtemps. Compris, capitaine. J'apprécie ce que vous faites. Colonel, je vous présente mes excuses. Inutile, capitaine. Ce fut un honneur de servir à vos côtés. Merci, mon colonel. Banane, terminé. Et là, feu d'artifice. Boum. Ah, le v'là. Das Vidania.
Et voilà. Évidemment, je m'attendais à la victoire, mais tant qu'on n'a pas le menu de victoire, effectivement, c'est pas forcément. Alors, pour conduite exemplaire, au risque de sa propre vie lors d'opérations contre les forces soviétiques. D'accord, bon. Une décoration et la citation à l'unité à l'ordre de la valeur militaire. Votre bataillon était distingué pour son héroïsme, sa valeur hors de commun et son sacrifice. D'accord. En gros, je vais plus savoir mettre quelque chose sur mon bras, quoi. Tellement j'aurai des... Et sur mon torse, tellement j'aurai des médailles. Et il est l'heure pour nous de se laisser. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas, commentez, likez, partagez. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Merci, bye bye.